Voies barricadées, magasins et boutiques fermées, les commerçants à même le sol, loin de leurs échoppes. Le grand marché de Trècheville est en ébullition depuis ce lundi matin. Le motif, la gestion ambiguë des taxes par la société commise à cet effet. Et le contrat jugé pas clair qui lie les commerçants à la psychologie qui a reconstruit le marché après son incendie en 1997. La mairie a sollicité la psychologie pour construire le marché. Il y a un contrat qui les lie. Les femmes, là, beaucoup n'étaient pas au courant de ce contrat-là. On ne leur a pas montré le contrat. C'est après avoir fini de payer que les gens ont reçu le contrat. Et quand tu lis le contrat, que tu vois le contenu, je vous assure que vous êtes déçus, vous n'avez même pas envie de prendre. Ce qu'on veut, on ne veut plus payer de loyer. Interpellés depuis le 15 janvier par les commerçants, les autorités municipales disent avoir rassuré ces derniers. Une rencontre est même prévue cette semaine à la mairie. La présidente des commerçants a adressé un courrier au maire, lui demandant d'intervenir auprès de la SGMT, la société qui s'occupe de la gestion de ce marché, pour voir dans quelle mesure on pourrait les aider à revoir à la baisse leur engagement financier. Donc nous nous préparions à les rencontrer quand aujourd'hui nous avons été surpris par cette grève-là. Monsieur le maire Michel François était en activité ce matin à Lille-Coussy. Donc dès qu'il a appris cette triste nouvelle, il nous a demandé de rentrer en contact avec les commerçants. Nous les avons reçus ici même durant 2 heures avec leurs différents représentants pour leur demander de faire preuve de calme et de faire confiance à la mairie. Une rencontre fort attendue, surtout que les commerçants exigent le départ du gérant du marché, lequel n'a d'ailleurs pas voulu s'exprimer à notre micro. Des commerçants qui en plus souhaitaient un audit et décident de maintenir la pression de la rue, le temps qu'une solution soit trouvée. Pour les disperser, les policiers ont dû faire usage de bombes lacrymogènes.